réseau? Bah oui, malgré, je pense qu'on n'a pas fait un grand match, mais on a gagné 1-0 et 2-0 et des matchs comme ça, il faut gagner. Je pense qu'on a joué contre une très bonne équipe et voilà, nous on a fait le job, on a resté bien en bloc, on a marqué un but et voilà, c'est ça ce qu'il a demandé le coach, on a réussi à faire ça. Et là, il faut profiter aujourd'hui et dès demain, il faut penser à Ajaccio. Vous l'avez pas vu le deuxième but? J'étais à terre en plus. Il y avait tout hein, dans ce match. Il y avait de l'intensité, il y avait de l'ambiance, du suspense et puis la victoire au bout. Enfin, c'était une soirée un petit peu magique quand même. Bah oui, franchement, et merci pour le public aussi parce qu'ils étaient derrière nous. Et voilà, il faut, comme je dis, il faut qu'on reste bien concentré parce qu'on a vu aujourd'hui déjà, c'était pas facile. Il y avait les duels, il y avait l'intensité, comme tu as dit. Et voilà, il faut penser bien à la récup aussi parce que c'est très important. Zinou, c'est la plus belle ambiance que toi, tu aies vécue au Stade Océane? Oui, ça fait 2 ans que je suis là, c'est la plus belle ambiance. Ouais. Maintenant, ouais, place à la récupération. Là, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, ouais. Vous perdez Amos, Ajaccio n'a pas joué. Ça sera forcément à prendre en compte vendredi. Oui, c'est vrai, il faut comme j'ai dit, il faut penser à la récupération parce que c'est important. En plus, on vient d'enchaîner les matchs. Et voilà, et on a perdu Amos. Oui, c'est vrai, c'est pas bien ça pour nous, mais je pense qu'on a un groupe. Voilà, je pense que le coach et le staff ils comptent sur tout le monde. Et on peut faire ça là-bas pour Amos et pour Samba. Zinedine, vous êtes un attaquant, mais sur le plan défensif, ce soir, c'est le 6e match de suite où l'OAC ne prend pas de but. C'est forcément une satisfaction, c'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est énorme, bien sûr, parce que je pense que quand on ne prend pas de but et en plus on marque, là, si on revient un peu en arrière, dès le début de match, on prend des buts, et après on court derrière le score. Mais là, je pense qu'on ne prend pas de but, et en plus on marque, et voilà, il faut rester sur cette dynamique. Et voilà, et je pense qu'on a des bons joueurs, des bons défenseurs. Et parce que nous, comme je dis, la force, c'est le groupe. Tout le monde court, tout le monde défend, tout le monde attaque. Et voilà, j'espère qu'on va rester comme ça.